Hey, si tu kiffes mes vidéos de petits vélos, abonne-toi, clique sur la cloche, comme ça tu auras mes prochaines vidéos dans tes notifs. Allez, bon visionnage! Hey, bienvenue dans cette vidéo. Alors comme tu peux le voir, je suis arrêté au milieu de rien dans la campagne. C'est pas pour rien, c'est parce qu'aujourd'hui je m'étais fixé le but d'aller rouler à un autre parc que d'habitude. Et en fait, en plein milieu du chemin, je me suis dit, attends Greg, est-ce que t'aurais pas oublié un truc? Eh ben si, j'ai oublié un truc. J'ai oublié mes cartes SD. Donc dans la GoPro, j'avais la carte SD, heureusement. Et bah dans l'enregistreur vocal, pour qu'il y ait un son agréable quand même pour votre écoute, j'ai mis la carte SD de mon téléphone que j'ai démonté avec un câble de dérailleur. Impeccable. Je suis à mi-chemin entre le parc et chez moi. Et ça me fait chier de faire demi-tour pour revenir. Donc ce que je vais faire, bah je vais vous filmer une vidéo entièrement avec la petite GoPro. On se retrouve au parc. À toutes. Bon, voilà, on y est, je suis sur le parc, j'ai mes Protec, le parc est glissant, c'est-à-dire que là je viens de voir Philippe Candeloro passer au bout, il a fait un triple axel en patin à glace, c'est pour te dire. Je vais commencer par trixer la pyramide, je pense. Au pot en venant, normal en retournant, je continue, je vais faire cancan. Cancan, no foot cancan. On va partir sur le quarter? Allez, parti. Je vous emmène. On y va. C'est le quarter le plus luisant de la planète. Ça brille, hein. Il y a moyen de bronzer grâce à ça. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vais faire quelques combos en foot jam. Pour le plaisir. J'espère que la plateforme. Oh. J'espère que la plateforme ne tremblait pas trop. Il y avait pas mal de combos là. Je vais essayer un truc bizarre. En fait, ce quarter, si tu regardes bien, il y a un endroit où il est plus bas, un endroit où il est plus haut. Et je pense qu'il y a moyen de le trixer. Donc je vais essayer de faire Abubaka et remonter sur l'autre coping en Abubaka. Maintenant, on va peut-être arrêter de faire du quarter. J'en fais tout le temps. Je vais aller faire de la table à wheeling. Putain, si seulement tu savais à quel point ça me fait bizarre déjà de filmer avec une seule caméra et de devoir changer d'angle à chaque coup, et de deux, rouler un parc qui avant était à la ville de Lannion et que j'ai ridé à l'époque où il était en bois. Et là en ferraille c'est différent, mais ça fait plaisir de revenir là. Je sais pas quoi faire, je vais essayer de rouler sur le rail, il me fait pas trop peur, il est pas très haut, donc je pense que ça peut marcher. J'ai un petit doute, j'ai l'impression que la caméra t'a filmé. Bon, bon, si elle a pas filmé, je viens de faire roll-in sur le rail tout bar. Voilà. Je vais arrêter deux secondes, je vais essayer de changer de batterie à la GoPro parce qu'elle est quasiment vide. Et je vous retrouve après. 2 hours later. De retour, j'ai le sourire, tu sais pourquoi? En cherchant ma batterie, c'est ce que j'ai trouvé. Un adaptateur de carte SD. Du coup, vous êtes là? Oui, le Nikon marche. Je vais pouvoir filmer vraiment. Allez, c'est parti. Bon, expression de mec de 40 ans, fais du ramdam dans les commentaires,
histoire que ma vidéo fasse le buzz. Bon bref, je vais fibble le curb là. Alors maintenant, je vais vous avouer la vérité. En vrai, j'ai pas mis mes pegs. Je viens de faire fibble sur l'axe. Bon, après ce troll, je vais essayer de faire un truc tout faki sur le quarter. Je pense à Boubaka ou Fujam tout faki, je pense que j'aurai plus de vitesse. Remonter le whip et faire un half cap 90 degrés. Voilà. Tout était dégueulasse dans cette ligne. Je vais refaire. Limite, j'aurais pu le faire sans même toucher le module. J'ai eu l'impression de le bunny hopper. J'ai pas d'idée. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, j'improvise. Je sais même pas qu'est-ce que je vais improviser. Mais j'improvise quand même. Tu vois ? C'est exactement ce que je te disais dans la dernière vidéo avec Lucas. Pas la peine dans les commentaires de me dire que t'as pas de niveau, machin. Le tout, c'est d'essayer. Et pour essayer, il faut essayer plein de fois. C'est comme ça. Le vélo, ça s'apprend pas sur un claquement de doigts. Bon, c'était pas mal. Et j'aimerais bien, au lieu de faire Rob tout 180, faire un Aboubaka. Donc, Aboubaka. Je vais pas en refaire un autre parce que là je me suis fait mal. J'arrête un peu. Je t'assure, la chute elle m'a fait mal. Je crois que je me suis pris le guidon à l'arrière du pied dans le tendon d'Achille et ça pique. Mais bon, ça va, il n'y a pas de souci. Non, ça va, j'ai pas trop mal. Ça va. Nickel. Bon, après cette chute de type nul à chier, je me suis décidé à devenir un street rider. Ça sera moins dangereux. J'ai mis mes pegs, ce coup-là, pour de vrai. Et je vais rouler, je sais pas si on peut appeler ça une sub-box, mais je vais essayer de faire quelques tricks dessus. Je vais commencer par la fibble de 7. Ça a bien marché. Wow. C'est ça que j'adore sur les parcs de ce type là, c'est que le module en lui-même, c'est-à-dire le plan incliné, glisse plus que le curb en haut. Voilà, tout va bien. Je fais que des fibles hein, en vrai. Je vais essayer de faire Smith. Allez, c'est parti. Étant donné que je suis un vrai street rider, j'ai pas de wax. C'est pour vous dire à quel point je vais pas glisser. Donc Smith sur le curb en descente. C'est parti. Je suis étonné. Je vais essayer fibble en montant, Smith en descendant. J'abandonne ce trick. Ça. Tout simplement, il n'y a que le curb en descente qui est waxé. Le curb en montée ne glisse pas. Alors, c'est qui le street rider ? Il commence à pleuvoir. Bah, je vais arrêter la session là, je pense. Hein. Vous voulez un dernier trick? Et bah, je vais faire flair sur le quarter. Et je pense que je vais finir sur le cul. Je sais vraiment pas si en vidéo tu te rendras compte à quel point il est plat, mais il est plat. Donc je vais y arriver. Mais ça va être chaud, je suis plus dans le cadre. C'était dégueulasse. Mais bon, le quarter est dégueulasse. Mais moi aussi, je suis un peu dégueulasse. Bref, il pleut, je range le matos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Et n'hésitez pas, ça c'est mon Tipeee, si vous voulez me laisser un pourboire. Si la vidéo vous a plu, malgré toutes les galères et la bonne chute. On se voit dans une prochaine. Bon ride sur ton petit vélo. A plus.